Bonjour ou bonsoir à tous, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode du Rag Story Chase enneigé avec les jumelles Denver qui sont en train de terminer leur nuit. Et bien, juste avant notre nouvel essai d'ascension, on va dire. Dans l'épisode précédent, on avait atteint le niveau 7, si je dis pas de bêtises, oui, pour les deux frangines, normalement. Tout à fait. Et du coup, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est déjà lever Martha pour qu'elle prenne un jour de congé. Elle avait eu une promotion la dernière fois. On va prendre du coup un jour de congé salarié dévoué. Elle avait eu donc oui sa promotion la dernière fois. Elle est échelon 6. Et je pense que vu le nombre de jours de vacances qu'elle a, il y a moyen qu'on lui fasse prendre au moins 2 jours. Elle ira peut-être bosser vendredi, puis on verra après comment ça se passe. Mais voilà, on est plutôt bien lotis là pour l'instant. Et on avait donc dit que on allait retenter l'ascension. Je pense que niveau 7, ça devrait être suffisant. On va faire du jardinage à Rosita avant de partir pour tout vendre. On va se faire un petit peu de thunes avant le départ. Arroser, il pleut, donc ça va. Ah, fertiliser, on peut. Vas-y, on pourra pas tout. Il faudra que j'aille récolter du persil. Oh, elle est contente. Ce qu'on va faire également, c'est que maintenant qu'on a les goûts, je pense qu'on va se tenter de donner l'appréciation à l'escalade, vous savez. Voilà, donc dans les activités, lui dire qu'elle aime l'escalade. Et pareil pour sa frangine. On m'a suggéré en commentaire, je ne sais plus qui, je suis désolée, mais merci pour la remarque, je pense que ça peut nous être utile, que elle avait constaté que l'escalade montait plus vite en l'aimant. Alors on va voir ce que ça donne, mais c'est un bon point à tester. Du coup, on va faire pipi à Rosita. Martha, elle est en train de finir son assiette. Et du coup, on va y aller. Hein. T'as bien pris ton jour de congé. Oui, tout va bien. Je crois qu'on a encore voilà, la glacière, la tente. On a quelques répulsifs, etc. Donc, je pense qu'on va se le tenter. Elle a fini de manger, mais c'est parfait. Et allons-y. Hein. Excursion d'alpinisme. Voilà, voilà. Chef, du coup, on a qui la Rosita. Et du coup, membre Martha. Oui, rassemblement pour les membres. Nanana, nanana. Et on est reparti. Bon, maintenant, ça sera plus rapide, du coup. On a déjà fait quelques essais infructueux. Venez ici ensemble. Alors, faire de l'exercice à un sim pour qu'il s'échauffe. On va faire ça avant la première montée, comme ça au moins ce sera fait. Faire des étirements, toi, idem. Et ensuite, on va monter. Par contre, je sais plus si elles ont encore du matériel. Pas du tout. Ah, j'aurais peut-être dû faire ça avant. Toi, t'en as. Il est comment? Fantastique. Bah écoute, mets-le. Mais alors, du coup, Martha, je suis désolée, t'as plus de matos. Tant pis, alors ce que tu vas faire peut-être pour t'aider, c'est mettre de la magnésie. Et ensuite, on monte. Une fois, grimper normalement. Et toi, idem. Hop là! Et on se réunit ici. Parfait. Vérifier les aptitudes en escalade d'un membre d'excursion. Est-ce que ça va marcher cette fois? Vérifier les aptitudes. Non, non, ça s'annule toujours. Bah, à la limite, on n'est pas obligé de le faire. C'est déjà possible de continuer. Bon, cette fois, par contre, il faut vraiment... faut vraiment pas oublier qu'on a ça en cours. Le groupe manquait un peu de réparation. Ah bon, ses membres sont un peu fatigués, mais ont néanmoins réussi le camp de base du Mont Komorebi sans problème. D'accord. Mais pourquoi elle est fatiguée comme ça? Ah bah oui, il y a un problème, là. C'est 11h? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Elles sont pas déjà fatiguées à cette heure-là? Il y a eu un bug, là, non? J'ai pas du tout fait gaffe à leurs besoins, si ça se trouve, vous avez vu et vous savez ce qui s'est passé, mais je les ai fait... Elles ont dormi, je les ai fait se lever, elles ont fait leurs besoins, et c'est même pas midi, comment ça se fait qu'elles sont fatiguées comme ça? C'est la première excursion, enfin la première montée qui leur a fait ça? C'est un peu étonnant. Ma foi, c'est pas grave. Alors, continuons. Faire se reposer un sim pendant au moins 1 heure. Ah, c'est peut-être fait exprès, non? Pour qu'on se repose, du coup, non? Dormir et dormir. Ah, c'est vraiment se reposer qu'il faut faire, en fait. Dormir, ça marche pas. Donc, faire une sieste, peut-être? Ah bah oui, ça marche. Mais j'ai pas compris. Ça a bugué. Elle est même pas retournée dans la tente que ça s'est validé tout seul. Bon, bah, c'est ça validé pour les deux. Ouais, il y a peut-être eu un petit bug. Écoutez. Oh! Vous avez vu le vent, là? C'est beau. Alors, venez, du coup, ici. On va inspecter les conditions. Chance de réussite élevée. On va essayer une fois. Grimper avec courage. Elles sont pas encore tombées. La prochaine fois, il faut que je pense à enregistrer avant. Hein. Oh ! Récupérer. Elle va pas être bien, par contre. Désolée. Mais j'adore. C'est trop bien.
Et ensuite, il faut se rassembler ici. Aller ici ensemble. Bon bah voilà, ça c'est fait. On continue. Alors, allumer le feu de camp, faire grimper le cime avec courage, manger quelque chose. Alors, déjà, est-ce qu'on peut récupérer des trucs à bouffer ou pas? Tout récolter, c'est des patates. Des patates crues, c'est pas terrible, mais on va dire que ça marche. Ah, des murs! Tout récolter. C'est vrai, j'avais oublié que c'était des murs ici. Et tout récolter. Ensuite, bah toi, tu vas venir allumer ça. Hop là! Foutons le feu, oui. Ah, elle est contente. Cool. Et ben du coup, on va filer des trucs à Martha pour qu'elle puisse manger aussi. Qu'est-ce qu'elle va faire? Non, n'escalade pas tout de suite. Mange la patate. Mange. Mange les patates. Voilà, donc ça, c'est bon. Et toi, t'as faim? Bah, tu vas manger aussi, hein, écoute. Mange. Ensuite, eh ben, on va grimper. Écoutez, elles sont pas encore tout à fait fatiguées. Et les conditions m'ont l'air pas mal. Du coup, on va pas poser le camp ici. Oh, mais c'est là où on s'était arrêté la dernière fois. C'est cool. On va enregistrer. Ah bah non, je peux pas, si. Ah si. C'est parce qu'on a un événement. Je peux pas aller dans le gérer les mondes. Du coup, ça m'a induit en erreur. J'ai cru qu'on pouvait pas enregistrer. Du coup, on va examiner les conditions. Chance de réussir élevée. Allez, alors du coup, une fois... Grimper avec prudence, toi idem. Pour l'instant, ça passe. Prudence, hein, effectivement. Oulala. Ça fait peur quand même, hein. Rosita, elle ose même plus monter. Elle nous fait de ses pauses. J'ai peur pour elle, je vous jure. Bon, pour l'instant, ça se passe. Ça a apparemment l'air de glisser. Allez, on y est presque. Elle a rattrapé sa sœur, limitée. Alors, oh. Coucou petite tête, coucou. Bon, le seul problème, c'est que du coup, je les ai faites grimper avec prudence, parce qu'on m'a pas proposé de faire grimper avec courage, alors bah, du coup, ça s'est pas validé. On va se rassembler au repère pour voir s'il y a moyen. Bon, bah déjà, on est plus loin que la dernière fois, c'est cool, par contre, elles sont très fatiguées. Le repère, il est là. Et alors ça, du coup, qu'est-ce qu'on peut en faire? Boire à la source de la montagne, chercher des traces de grimpeurs précédents, dormir, ah ouais, examiner le tunnel, explorer les tunnels latéraux. On peut pas le faire, ça, encore. Voyons, est-ce qu'on a accès à d'autres trucs ou... Non, ça a l'air d'être tout. Hein. Ouh, bon, bah, allez au panneau, allez. Par contre, ouais, va falloir que je les fasse dormir, mais que je surveille que le temps, il s'écoule pas. Hein. Parce que sinon, ça va être catastrophe. Oh, elle a trouvé... Oh, c'est trop mignon, on n'a pas de notification d'habitude. Elle a trouvé un esprit de la forêt sur son chemin. Elle peut le récupérer ou faire un vœu auprès de lui, ok. Ah bah toutes les deux, bah tout à l'heure c'est Rosita qui l'a chopé, donc vas-y Martha, à toi. Oh la pauvre, elle a pas l'air de... Ouh, ils étaient pas contents. Allez ici ensemble, allez vite. Ouais, vous êtes fatigués les pauvres. Bon, est-ce que ça va suffire ou pas? Oui, ça suffit. Pas besoin de continuer avec prudence ou je sais pas quoi. Là. Grimper avec courage. J'ai dit n'importe quoi. Grimper avec courage. Continuez. Ouh. Ah, y a rien? Mais non. C'est le bout du bout? Oh non! Le groupe a atteint le sommet du mont Komorebi après avoir conquis la cascade de glace Croft avec grâce et style. Tout le monde est euphorique. Le groupe peut rejoindre le club exclusif des Sims qui peuvent porter le bracelet et le bonnet d'alpinisme pour afficher fièrement leur prouesse. Sa chef a gagné le tri-alpiniste experte ainsi qu'une jolie plaque à accrocher sur un mur dans sa maison. Oh, on est au bout du bout. Oh. Mais ce qui veut dire que du coup, on peut aller dans la grotte, celle qui est en dessous là. On va peut-être faire pipi aussi, j'y pense. Toi aussi, t'as envie? Ah bah mince. 300 Simfous, on a gagné. Oh, mais c'est fini. Oh, oh, c'est trop bien. Oh, regardez. C'est le soleil d'un côté qui se couche et de l'autre complètement la lune. Oh, c'est incroyable. Oh, je suis trop ravie. Oh, il y a une grotte. Oh, j'avais pas vu ici qu'il y avait aussi une grotte. C'est quoi? Oh, ah, c'est pas la même entrée, mais on peut y accéder de ces deux côtés. D'accord. Il y a une chose que je devais absolument faire en venant ici. J'ai pas pu faire mieux à cause de la taille et du feu, mais j'espère que les fans reconnaîtront. Je suis tellement contente. Du coup, je pense que je vais les faire dormir ici, parce que j'aimerais bien regarder ce qui se passe dans cette grotte et j'ai pas envie de tout refaire, en fait. Donc déjà, elle va faire pipi ici, et Rosita, elle va dormir. Ouh, elle a trouvé des esprits encore? Oh bah alors.
Dites donc, tiens, récupérer. Non, non, tu vas dormir ici, tu retournes pas sur interactif ou je sais pas quoi. Ouh, elle est toute petite l'entrée de cette grotte en fait. Ah, mais on peut dormir qu'à une seule personne dans la grotte, d'accord. Ça fait des aides dans la grotte. Bah, je suis désolée, on va faire un truc de dégueu. C'est-à-dire que tu vas fertiliser, puis tu vas faire une sieste là-dedans. Hein. Pardon, Martha, pardon, pardon. Ah, ça te change de ton petit confort. Hein. Oh, mais ça a fait remonter toute la barre, par contre. Ah bah non, alors du coup, Martha vient ici directement. Dis donc, c'est efficace de ouf, ce truc. Faites voir un peu. Bon, elle a encore retrouvé des petits esprits. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est... Oh là ! Ah oui ! Oh, c'est buggé ou c'est normal ? J'en sais rien du tout. Ok. Boire à la source de la montagne, ça fait quoi ? Est-ce que ça remonte la faim ? Peut-être genre c'est une source magique. Non, parce que vu l'énergie, on pourrait s'y attendre. Hein. Oui, ça remonte la faim. Non mais, de pas beaucoup, mais... Oh mais ces esprits, c'est pas beaucoup, c'est pas possible. Ça a remonté un tout petit peu la faim. Bon, un peu comme un verre d'eau en fait, il me semble. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire ? Suivre les empreintes, suivre l'odeur inhabituelle, regarder dans l'entrée de la grotte. Oui, regarde dans l'entrée pour voir. Elle a débloqué le style de vie chercheuse d'adrénaline. Ok. Oh. Quelque chose qui scintille sur le sol glacé attire l'œil de Martha. En allant voir de plus près, elle découvre quelque chose qui n'a aucune raison d'être sur cette montagne. Martha pense qu'il vaut mieux l'emporter. Qu'est-ce que c'est ? Un jouet ! Non mais sérieux ! Suivre les empreintes. Oh ! On a trouvé un message disant Shigeru Nishidake. D'accord. Suivre l'odeur inhabituelle. L'odeur d'encens mène Martha dans des chemins sinueux jusqu'à ce qu'elle tombe sur un vieux sage qui interrompt sa méditation pour l'accueillir. Le sage lui dévoile le... Un quoi ? Un koan. Je ne sais pas comment prononcer ça, je ne connais pas. De la montagne. Martha est perplexe. Le sage compatit et partage son déjeuner avec elle. D'accord. Encore des petits esprits ? Eh ben. Ok. On a tout fait là du coup. Je sais pas s'il y a d'autres notifications si on refait les mêmes actions, mais bon. On va peut-être descendre du coup. Ah, on peut parvenir au... à l'étage d'avant par contre. Dites-moi s'il y a autre chose à faire, mais du coup, ben, on a fait l'ascension à fond. Maintenant, on va aller peut-être s'occuper d'elles. Bon, elles sont pas très très fatiguées, mais elles ont quand même... Quoi ? Elle a du nigiri dans son... Mais d'où tu sors ça, toi ? Elle avait rien dans son inventaire en bouffe. Qu'est-ce que c'est que cette connerie ? Ah, du coup, ça permet de manger, en fait. La notif du vieux qui partage son déjeuner avec elle. D'accord ! Bon, bah, dans tous les cas, il faut qu'on s'occupe de Rosita, donc on va rentrer à la maison. Bon, par contre, qu'est-ce qu'on fait ? Ben, du coup, peut-être que je te remets au lit pour finir proprement les pixels qui te restent, parce que, du coup, demain, tu bosses. On n'a pas besoin que tu ne bosses pas. Quoique... Parce que techniquement, là, ce qu'il nous reste à faire, c'est bah, terminer l'aspiration de Martha, en fait. Donc il faut qu'elle survive encore deux fois indemne à trois aux attaques d'animaux, encore deux fois, c'est ça. Atteindre le niveau 8 de l'escalade, faites voir un petit peu. Ah non, mais on n'y arrivera pas, hein. C'est trop long, ça. C'est trop trop long, et puis on n'en a plus vraiment besoin, vu qu'on a fait l'ascension. Et ensuite, terminer avec succès une session de ski... ou de snowboard de haute intensité sur une piste d'experts, ok. Sachant qu'on arrive au bout de ce qui était utile à faire, on va dire, en termes de découverte, est-ce que ça vaut vraiment le coup qu'on aille à fond là-dessus, vu que la finalité du machin nous servira pas, quand on arrêtera le let's play. Et après la carrière, ben, on est bien d'accord, enfin en tout cas, tous ceux qui l'ont testé ont eu l'air de dire que jusqu'au bout, c'est toujours la même chose. Donc c'est pas plus intéressant que ça, en fait. On a vu les festivals, on a fait l'ascension, on a vu presque tout au niveau des aspirations. Rosita avait fini la sienne déjà. Donc est-ce que c'est encore utile qu'on continue ? Je ne sais pas. Peut-être encore un épisode pour qu'on essaye de faire autre chose là-dedans, même si on finit pas. Dites-moi d'ici là, du coup, si vous avez d'autres idées ou suggestions de trucs qu'on n'a pas vus. Et puis il y aura la maison à terminer. Pour finir aussi, donc ouais, écoutez, on va finir tranquillement cet épisode là-dessus, je pense. Elles vont aller se coucher tranquillou, et puis, dites-moi, comment est-ce qu'on peut terminer proprement ce let's play, à la limite. Après, tu vas manger, tiens. Prendre des restes, et puis tu vas finir ta nuit, quand même. Enlève ton matériel d'escalade, parce que ça ne sert plus à rien. Et bien sur ce, on leur souhaite une très bonne fin de nuit. Moi, je vous souhaite une excellente journée ou soirée, et je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. Prenez soin de vous.